m'appelle Fernand Lopez Owenyede, je suis combattant de MMA et je suis sociétaire de la prestigieuse Street Fight Academy à Vitry-sur-Seine. Ma discipline de base, c'est la lutte. Bah, simplement dans la famille, tout le monde est lutteur. Mon papa a fait de la lutte traditionnelle, en fait c'est naturel chez nous faire de la lutte. Lopez, avant de s'entraîner à la FFA, avait déjà une longue carrière en lutte. Il est réputé pour ses grosses projections. Et on a adapté son travail lutte à la pratique spécifique du MMA. Il mixe très bien en fait les liaisons boxe-lutte et les liaisons lutte-sol. Alors, le 19 juin, je fais un tournoi 84 kilos au 100% Fight VIP. Mes trois autres adversaires, je commence par Eric Sebarek, qui est de la Snake Team, une très grande équipe. J'ai des affinités avec ses professeurs et je sais que, vu le sérieux de leur équipe, je pense qu'il est très affûté en ce moment et il est prêt pour le 19. Ensuite, Patrick Vallée, je l'ai combattu il y a environ 2 mois. Il m'a mis KO en moins d'une minute. Je n'ai pas eu le temps de m'exprimer ni de faire sa connaissance. Et je pense que le 19, ce sera l'occasion de refaire les présentations et vraiment faire sa connaissance. Ensuite, il y a Guillaume Piquet. Il est réputé pour être super bon au sol. Mais quoi qu'il en soit, ne vous fiez pas aux origines et puis aux disciplines de base. Guillaume Piquet est capable de mettre KO. S'ils sont dans le tournoi, ce n'est pas un hasard. Ils sont préparés, ils sont affûtés. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je pousse mon corps, mon organisme dans le dernier de ces retranchements pour pouvoir être prêt et que ma performance sportive soit à la hauteur du respect que j'ai pour mes adversaires le 19 juin. Ce qui m'intéresse, je pense que tu l'imagines bien, c'est la ceinture. À partir du moment où on annonce la ceinture, on fait « waouh ».